bienvenue. Donc, je m'appelle Anthony, on est à Bourg-Bélair. Aujourd'hui, on fait un Rest Active Challenge spécial abdos pour cet été. Donc, je vais vous présenter les exercices que l'on va faire. Premier mouvement, ça va être les crunch. Donc ici, les jambes fléchies au sol, la tête relâchée dans les mains, et on va faire des relevés de buste. On va bien rentrer le ventre, inspirer le nombril, et la tête est complètement relâchée dans vos mains. Ok ? Donc, premier mouvement, le crunch. Deuxième mouvement, ça va être le sit-up. On vient s'asseoir, ici, pieds joints, en position butterfly, jambes fléchies, les genoux, ici, tournés vers l'extérieur. Nous allons lancer les bras et ici on vient s'asseoir. Ça, c'est le sit-up, ça va être le deuxième exercice. Le troisième, ça va être le soulevé de bassin, jambes tendues. Relâchez le dos, la tête relâchée dans les mains. Et ici, vous allez décoller le bassin du sol. On retient la descente, pas d'impact au sol. Donc, soulevé de bassin pour le troisième mouvement. Ensuite, vous allez vous soulever pour les deux derniers exercices. Mountain Climber, on appuie sur les mains, et ici vous allez pointer les genoux à la poitrine, ok? Et le dernier mouvement, ça va être un gainage dynamique. Alors deux options, soit sur les genoux, soit jambes tendues. On est ici posé sur les avant-bras, on pose ici les mains et on revient. Ça, ça fait une rep. De répétition. En répétition, on peut faire la même chose en planche complète pour les confirmer, ok? Donc, crunch, premier mouvement, sit-up, butterfly, deuxième mouvement, soulevé de bassin, troisième mouvement, mountain climber, les genoux à la poitrine, quatrième mouvement, et gainage dynamique, cinquième mouvement. Donc, soit vous avez un chrono et vous voulez travailler autant, dans ce cas-là, vous allez faire 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération, et vous passez à l'exercice suivant, comme ça, et vous faites 4 à 5 tours, ok, en fonction de votre timing. Si vous voulez faire 20 à 25 minutes d'effort, voilà, c'est vous qui gérez. Soit vous ne voulez pas vous prendre la tête avec un chronomètre, et dans ce cas-là, vous travaillez sous forme de répétition. Donc vous allez faire une gamme montante. C'est-à-dire qu'au premier tour, vous allez faire 10 répétitions de crunch, 10 répétitions sit-up, 10 répétitions sur les bassins, et comme ça, jusqu'au gainage dynamique, arrivé à la fin du cinquième mouvement, on repart du début, et vous doublez, vous passez à 20 répétitions. Donc 20 crunch, 20 sit-up, 20 soulevés de bassin, etc. Une fois que vous avez fini, vous passez à 30 et vous augmentez par 10. Le but, c'est d'aller le plus loin possible sur 15, 20, 25 minutes en fonction du temps que vous avez pour votre petite séance du jour. Voilà, donc c'était une séance Rest Active Challenge. Je vous rappelle, 1, les crunch, 2, sit-up, butterfly, 3, le soulevé de bassin, jambes tendues, 4, mountain climber, des montées de genoux à la poitrine, 5, le gainage dynamique. Ok ? Spécial abdos, soit en répétition, soit en temps de travail. Je vous dis bonne chance et on se retrouve bientôt logiquement si tout va bien. Et je vous prépare un deuxième Rest Active Challenge spécial, corps spécial, cuisse fessier. Allez, bye bye, c'est Anthony.